Bonjour les partageuses, les partageurs. Alors aujourd'hui, on va faire une recette qui est la chocolatine dans le produit indispensable et qui en manque occasionnellement cette semaine. Donc n'hésitez pas, on en parle juste après en petite vidéo avec un support. Donc on va faire une chocolatine. Pour cela, il va me falloir 100 g de chocolat, 80 g de beurre. Donc je vais mélanger le chocolat avec le beurre. Je vais mettre ça pendant 1 minute à 600 watts au micro-ondes, le temps que ça fonde. Il me faudra aussi 70 g de farine mélangée avec 4 ml de levure. Voilà. 100 g de farine, de sucre je veux dire, 2 œufs. J'aime pas les noix de pécan, donc j'en mets pas. Et il me faudra du beurre mou que j'ai sur le côté pour beurrer mon micro. Ainsi que ma spatule silicone et mon pinceau silicone. Alors là, c'est parti pour enfourner pendant 1 minute le chocolat cassé en morceaux avec le beurre. Donc 1 minute à 600 watts. Ensuite, tant que ça chauffe, on va mélanger la levure, la farine et le sucre. Voilà. J'ai mélangé. Je vais ajouter mes 2 œufs. Que je mélange en allant. Puis le deuxième. Voilà. Ça fait une belle petite pâte. Mon beurre est fondu, mon chocolat également. Je viens prendre ma spatule et mélanger le tout. J'ai des petits morceaux capricieux, donc je continue de mélanger pour que ça soit bien homogène. Alors si vous voyez une tête de chat qui dépasse, c'est pas grave, c'est ma nouvelle arrivante. Elle s'appelle Charlotte et elle va sur ses 6 mois, là, début novembre. Elle n'a que 5 mois. À Charlotte. Donc là, mon mélange est bien homogène. Je viens verser le tout dans ma préparation. Voilà. Comme ceci. Maman, elle fait un gâteau encore. Et oui, Charlotte. Et là, on mélange. Afin que la pâte soit totalement homogène. Voici la pâte.
avec mon pinceau silicone. Donc je vais retirer le couvercle qui sert à garder au frigo, voilà, à la conservation, afin d'utiliser mon plat. Hop. Je viens prendre mon beurre mou. Hop. Je viens pleurer mon plat. Je suis généreuse, hein, moi, sur le beurre. C'est pas bien pour le cholestérol, mais bon. J'adore ça. Je monte ta petite tête, Charlotte. Parce qu'ils vont me prendre pour des fous, hein, les gens. Parler de toi, mais ils te voient pas. Monte sur la table. Non, je rigole. Ne fais pas. Qu'est-ce que maman fait? Elle vient? Maman fait un gâteau. Mmh, un gâteau au chocolat pour le 4h. Là, j'ai bien beurré mon moule. Je viens verser donc ma préparation. On aurait bien très bien pu faire cette recette là dans les moules cake ou dans un moule silicone en adaptant les ingrédients. Voilà. C'est pratique d'avoir plusieurs spatules à la maison. Ouais. Pas besoin d'attendre que ça coule. On met tout dedans. Comme ceci. On vient prendre le couvercle de cuisson. On vient recouvrir. Et on va le mettre pendant 5 minutes à 600 watts. Pendant ce temps-là, je vais vous chercher la fiche du produit et vous l'expliquer un petit peu. Ne quittez pas. Alors, vous retrouvez le micro-cook rond. 2,25 litres, qui est adapté 100% micro-ondes. Ne pas le mettre sur les fours dans le four traditionnel, ni sur des plaques de cuisson, ni dans un four combiné micro-ondes en fait. Voilà. Surtout bien faire attention, toujours bien le laver à l'eau. Et cette semaine, Tupperware nous propose de l'avoir pour 49,90 € au lieu de 59,90 €. Et son livre, vite et bien fait, voilà, pour 9 € au lieu de 18 €. Je trouve que c'est une belle offre, déjà. On l'utilise pour de tout. C'est conçu pour la décongélation, pour la congélation, le chauffage au micro-ondes, la conservation au frigo, puisque nous avons le couvercle souple. Il ne faut pas dépasser un temps de 30 minutes maximum à 800 watts. On peut le mettre entre -25 degrés et 200 degrés. Mais attention quand même. La garantie, c'est toujours 10 ans. Donc c'est compatible au lave-vaisselle. Voilà. Pour le lavage à la main, on utilise les microfibres Tupperware, s'il vous plaît. Et si c'est cool, s'il y a des résidus de collé, comme les résidus de gâteau ou quoi que ce soit, on laisse tremper une nuit à l'eau chaude et savon. Alors moi, je trouve le livre très très bien fait. Voilà. Parce que vous avez donc l'explication du produit. Vous avez les temps de cuisson. Voilà. Donc là, pour les légumes, pour les fruits, pour la viande. Et ensuite, vous avez plein de recettes.
Là, j'ai fait 16. Là, page 75. Voilà. Et à la fin, vous retrouvez toujours une table de matière avec tout ce que vous pouvez faire. Je trouve ce livre sympa. Je trouve également sympa les recettes qui sont proposées dedans. Et maintenant, je vous laisse découvrir en images, en vidéo, le gâteau. Je vais le chercher. Donc, le démoulage facile et efficace. Le gâteau prêt à être servi. La cuisson comme j'aime parce qu'il reste un peu de chocolat fondu. Voilà. Hop, et là. Vous avez des invités, facile de réaliser ce gâteau en 5 minutes chrono. Pourquoi pas faire un atelier le midi à votre travail, réaliser cette recette et le garder pour 4 heures ou le dessert, bien sûr. Avec une bonne touche de chantilly. Bon appétit, bien sûr. À bientôt.